pour réaliser mon poke hawaïen, je dois en premier lieu cuire mon couscous. Moi, je l'ai arrosé d'eau, de l'huile et je vais le mettre à vapeur pendant une quinzaine de minutes. Maintenant, je vais commencer par réaliser ma marinade pour le saumon. Alors, c'est au choix. Vous pouvez mettre n'importe quel poisson, même de la sardine. C'est très très bon, je vous assure. Je vais mettre mon saumon. Je vais mélanger avec ma sauce soja, mes oignons, mon zeste de citron, du gingembre, du sel, du poivre et du piment fort. Mon poisson est prêt, je le réserve de côté un petit quart d'heure maximum et je vais commencer par sauter mes carottes et mes courgettes. Mes légumes sont prêts, je vais les réserver de côté et faire sauter mon poisson. Pour les amateurs du poisson cru, vous pouvez l'utiliser tel qu'il est. Mon poisson est prêt, j'ai rajouté juste un tout petit peu de persil pour réaliser le dressage de mon poke hawaïen. Il faut savoir une chose, que le vrai poke hawaïen, ils le font avec du riz. Et moi, j'ai décidé de le réaliser avec du couscous. On voit ensemble notre dressage. Mes légumes. Des avocats, des choux rouges, de la mangue, du concombre, mon poisson. Des grains de sésame de chez Samia. Mes amis, mon poke hawaïen avec du couscous est prêt. Je vous garantis, c'est une recette juste extraordinaire, très très fraîche et très très bonne. Moi, ce qui me reste à vous dire, sahaftorkom, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et à demain. Au revoir.